C'est le premier procès d'un attentat qui a été commis au sein de la mouvance de l'État islamique en Europe. Ça a donc évidemment un intérêt tout particulier et pour les victimes françaises et pour les victimes belges. Et aussi, on sait les très nombreux liens qu'il y a dans ce dossier entre la France et la Belgique. Et donc, nous sommes là pour essayer de faire la lumière sur tout cela. Maître, bonjour. Bonjour. Que peut-on attendre de ce procès, monsieur? Ah, ce qu'on peut attendre. En 4 mots, c'est bon. Vous allez bien? Ouais. La défense de monsieur Nemouche nous réserve depuis autant d'années des surprises. Et donc, nous demandons qu'à voir, mais nous sommes évidemment très sceptiques. Nous soupçonnons bien qu'il va encore avoir ces fumeuses théories du complot qui est si chère à ce type de personnes. Vous pensez, c'est 2017. Écoutez, la famille attend évidemment beaucoup de choses de cette première journée. Et l'objectif est évidemment d'aboutir à la condamnation des deux accusés qui, selon nous, sont de manière certaine coupables. Dites-nous, qu'est-ce que... Mais je crois que vous l'avez vu, il est serein, calme. Voilà, si vous pouvez... Il choisira le moment quand il parlera. Excusez-moi, l'acte de défense sera lu mardi prochain. Je ne ferai pas de déclaration sur la défense en tant que telle. Vous dites qu'il est serein, c'est quand même un procès... C'est un terme français que tout le monde comprend.